exactement ce que j'allais dire. Un autre morceau de code. Je vais essayer de les assembler. Tu saurais retourner à la maison de la sorcière? Oui. Les bois au feuillage écarlate, au sud du lac. Je sais exactement où aller. J'espère qu'elle saura ranimer Mimir. Je l'aimais bien. Avant que tu lui coupes la tête. Incroyable! Ça doit être une branche de l'arbre monde! Atreus! Reste sur le chemin! Oui, oui, je sais. J'arrive pas à croire que Baldur soit venu chez nous. Baldur, le dieu As! Tu t'es battu avec lui! Et t'as gagné! Oui. Un des fils d'Odin, le frère de Thor. Et maintenant, ses neveux et lui nous pourchassent. Pourquoi? Si on ressuscite la tête, tu pourras lui demander. Espèce. Je veux dire, ta famille, avant maman et moi, là où t'as grandi, t'avais bien une mère, un père. Ce n'est pas le moment de parler de ça. D'accord. Brock! 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 Quoi? C'est ma pause déjeuner! Comme si je m'amusais à te déranger quand t'es en train de te gratter les fesses, moi! Laisse-le tranquille, Atreus. Vous avez déjà gâché ma solitude. Autant vous joindre à moi, maintenant. Nous n'avons pas faim. Tant mieux. Je vous invitais pas à manger. On a revu ton frère. Félicitations. Et je suis sûr que vous l'avez encore laissé bousiller ma hache bien comme il faut. Hmm? Voyons l'étendue des dégâts. Cette espèce de dégénéré ne serait pas fichu d'ajuster une arme correctement même si sa vie en dépendait. D'accord. Mais est-ce qu'il mange assez? Je crois. Bien. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez, hein? Des fois, Sindri est tellement pris par son travail qu'il en oublie de boire et de manger. Et quand il y pense, il est même pas capable de se débrouiller. À croire que je suis à la fin. Atreus, comment va-t-on chez la sorcière? D'abord, il me faut un bateau.